Les jours se suivent, les témoignages se ressemblent au procès des attentats de janvier 2015, des récits bouleversants, hier comme celui de Rice, le directeur de Charlie Hebdo, qui a répété qu'il ne regrettait pas la publication des caricatures. Patrick Peloux, ancien chroniqueur de Charlie, a lui aussi pris la parole. C'est un moment qui est très compliqué parce que, en fait, on se rappelle de nos amis qui ont été assassinés. Devenir, c'est faire confiance à l'institution judiciaire, c'est faire confiance au fonctionnement de notre démocratie, de notre République. C'est pour ça que je suis là. Le terrorisme islamiste, il n'abattra jamais notre République et on sera toujours plus fort.